Elmer le Roncien, des boss que j'ai préféré du jeu. Panorama occulte. Du coup, en vrai, j'aimerais bien enlever le projectile gravitationnel parce que c'est assez situationnel. Mais par contre, viens, on... Ah putain, on n'a pas testé ça. Attends, fais... On n'a pas testé le microcosme fugace, là. Mais vous m'aviez dit que c'était à chier. Donc, je sais pas. Ok. Non, mais on va mettre le sort ça, là. Vous entoure d'un lacis de doigts épais, fais voir. C'est rapide à charger. Ça met un peu de temps, c'est pas instantané. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vas souffrir. Quoi, y'a quoi. Putain, y'a l'arbre. Mais moi, je m'attends au boss final, là, j'ai peur. Ça m'a l'air tranquille. Il y a une musique. Ah. Commandant Gaius. Ah, c'est toi le Gaius dont on m'a tant spoilé le nom. D'accord. Oh, de la gravité. Je t'aime déjà. Par contre, tu saoules à spammer, mais ok. What the fuck. Pumba te dit bonjour. Excusez-moi. Et j'ai roulé. Salut Edel. Ok. D'accord. Bon. J'ai pas compris la dernière charge là. C'est Monsieur Gaius. J'ai la ref. Le roi lion. Qu'est-ce que tu caches, Gaius? Mais... The fuck? Comment t'esquives, ça? Bon. Bim. D'accord. Le sanglard attaque. C'est une sentinelle de l'arbre... Ouais. T'as Loretta dans le jeu de base, et t'as Gaius, ici. Mais par contre, ils disent commandant. Commandant de l'armée de Mesmer? Ok, je l'ai eu. Mais what the fuck? Ah, je suis désolé, mais ce sanglier ne fait pas des mouvements très orthodoxes, très... Attends, non, ne me fonce pas dessus. Mais regarde ça, c'est quoi cette attaque? Bon, j'imagine qu'il est pas stun avant diplombe. Putain, mais tout me touche à chaque fois. Cette attaque m'énerve. Mais c'est... Mais c'est quoi cette hitbox de con? Ok. Ah. Ouais, il spawn de 10 km. Top 207 des meilleurs boss du jeu. Ok. Je vois qu'il est assez haut dans le classement. Ah, le cheval. Oh. C'est fou quand même. La musique, je sais plus c'est la musique de qui ça. Je la... Ah, mais c'est la musique, mais oui. Commandant O'Neill. Oui, bien sûr. C'est la musique d'O'Neill et de l'autre là. Oui, je me rappelle. Ah putain. Et lui, ils se sont dit, viens, on lui met une armure encore plus résistante. Et une monture de bâtard. Oh putain, je me fais éclater. D'accord, Gaius. Voilà, Nihal, l'autre. Ah putain. Ah, la hitbox qui te fait penser à... La hitbox
Tu sais, qui te rend nostalgique de Dark Souls 2. Et si j'utilise doigt protecteur? Ouais, d'accord, tout le monde est en train de me dire, ok, moi j'ai galéré. D'accord. Bah, en fait, c'est la hitbox là qui me tue plus qu'autre chose. Merde, mal anticipé. J'ai mal anticipé mon sort. Ah putain. Oh non. Ouais bon, doigt protecteur, c'est pas évident. Doigt protecteur, faut l'anticiper, c'est pas évident. Et là, t'es en train de le faire après le nerf. Avant, il spawnait juste devant la porte et te chargeait direct. Ouais, c'est très FromSoft. Ouais. Bon. Ok, je comprends. Il faut rester à une certaine distance. Je l'ai cheese. Oh les gars. Il faut rester à une certaine distance. Hop là. Allez, ça c'est fait. Next. Ok. Ok, bah génial. Mais oui, bah vas-y. Mais... T'as vu, il a une armure de malade. Ah, ok. Il faut l'esquiver très tard. Bon. Quand t'apprends des trucs, c'est toujours mieux. Putain, mais t'as du mal à esquiver, oh. Putain, il me reste que 4 fioles, je vais pas enlever de vie. Mais putain. Bah, allez, t'allais. Ok. Bon. Heureusement, le gel proc au bout d'un moment. Évidemment, petite attaque en délai parce que c'est pas drôle. Yeah. Et Sneezy, salut à toi, bienvenue sur le stream, bienvenue à toi. Et un boss, c'est convivial. Ouais, non, là, on commence tout juste à l'apprendre. On va rester à distance et on va le spammer de front pour voir. De charge à l'infini. Bâtard. Tiens, moi aussi j'ai ma propre fronde. J'arrive pas à le toucher, il est trop fin. Ok. Bon, les sorts, oui, mais un truc plus rapide. L'âme lunaire d'Adula, peut-être, comme la glace, il avait l'air d'aimer. Oups. Ah oui, mais si je fais ça, après, ça va se barrer. Ah, c'est pas... Allez, charge. Hop là. Faut le faire très tard, l'esquive, hein. C'est vraiment... C'est particulier. Allez, quand je suis au sol, je peux pas vraiment l'éviter. Tiens.
Mais putain, mais. Mais. Putain, mais je le touche pas! Ah merde, j'ai esquivé en arrière. Oh mon dieu! Wow. Dans le lore, il est dit qu'il était plutôt un rival de Radahn. Eh ben. Ouais, bah. Putain. Avec Torrent dans ce combat. On va voir. Hein. En fait, c'est à quel moment je peux taper, à quel moment je peux vivre. À moi, fidèle, mon dieu! Oh, oh bah oui! La hitbox! N'importe quoi. Ok. Ok. Torrent contre un sanglard. Raven contre Gaius. Tu sais avec quoi ça rime, Gaius? Gelé. Ça y est. Non, Torrent. Oh. Reviens, Torrent. Ah. Oh putain de bordel la queue. Casse-toi. Ah. Allez, Torrent, n'aie pas peur. Il est juste trois fois plus gros que toi. Mais où est-ce qu'il a trouvé un sanglier pareil? Ah putain, mais je vais en faire... Je vais en faire du civet de cette merde. Wow. Oh oui. Mais comment? Mais comment tu fais? Non, 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 non. Ah. Mais putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est une lance, c'est un javelot ce qu'il a. Oh. Merde. Non. Oh non, Torrent. Oh non, la totale humiliation. Mais je vais enlever que ça de vie. Petite terrine de sanglier là. Ah putain. Bien le bonsoir Nico. Bien le bonsoir. My name is Gyobu Masataka Oniwa. Ah putain, sacré Gyobu. Ah oh, putain. Il est très faible au sacré apparemment. Ça tombe bien, j'en ai pas. À moins que le microcosme me fasse du sacré. Ça fait tout des dégâts magiques, de toute façon. Putain, c'est terrible. Ok. Bon. J'ai pas d'idée.
Il est à chier ce boss. Non mais je vois que ce boss vous énerve. Je vois que ce boss a tiré un petit peu trop fort sur la corde sensible, je sens. Parce que c'est jamais bon signe quand vous me dites putain tu vas en chier. Jamais bon signe. Au moins je sais comment esquiver sa charge maintenant. Voilà. Boum. 1. Ah oui mais je suis en train de charger une attaque. Ah putain mais c'est son combo de merde. Voilà, super, merci. Beau combo. Putain mais il est si chiant. C'est con, je commence à être confiant dans ce DLC et là ce boss il me dit clairement non. J'arrive pas à le stun. Ah là là c'est le combo. J'arrive pas à le stun, c'est terrible. En plus si c'est comme une sentinelle de l'arbre, même si je le stun, il va prendre un coup et après il va se reculer et voilà. Mais justement, s'il fait ça, que tu le fais près du précipice, là. Enfin, je sais pas s'il y a un précipice, mais... Si, il y a un précipice, là. C'est peut-être ça, le cheese. Tu le stun là, et après, terminé. Oui, j'imagine que c'est pas avec mon petit katana que ça va faire grand-chose, le stun. Toujours un boss pour te faire redescendre. Ouais, j'étais sur un nuage. Hein. Et salut à toi, Defos. Le skin est stylé, moi j'aime bien. Avant le patch, c'était un enfer. Tes dégâts sont pas terribles, tu manquerais pas d'esquilles. Bah ça se voit que t'as pas vu mon combat contre Mesmer ou... Comment elle s'appelait la mère des doigts? Parce que putain, je leur ai roulé dessus. Ok, génial. Ouais, voilà, Métire. Bien le bonsoir, Enzo. Au niveau des skis, je crois que je suis à 15 ou 14. Je vais regarder. Merde. Niveau 14, bénédiction de l'arbre occulte. Voilà, niveau 14. Et quoi que vous en pensiez, j'ai quasiment tout trouvé par rapport à là où j'en suis. Parce que là, apparemment, il y en a là, là et là. Et là. Voilà, c'est ce que j'ai pas encore trouvé. Et il y en a là-bas. Il y en a derrière. Mais le boss après est un pur tank. Je gère mal les purs tanks avec ce build. J'ai fini le DLC niveau 15. Mais t'étais pas en NG plus 8. Pourquoi t'es pas monté niveau 20? Je sais pas comment bien esquiver ça. À part me barrer. Ah, super. Mais j'ai pas le temps de me soigner et d'esquiver. Mais putain, mais il me touche à 15 km. Faut dire, il est géant ce boss. Pas de saignement.
Ne me dis pas qu'il a une V2. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vient de voler? Ou est-ce qu'il tombe avec panache? Nom de Dieu! Oh! What? Mais il s'est passé quoi? Je viens de voir un cochon voler! Oh putain! Oh non, mais tu le vois voler, tu dis: bon bah je vais m'en prendre plein la gueule quoi! Oh putain! C'est comme les deux boules de Relana quoi! C'est un pur plaisir! C'est un oiseau? Un avion? Mais non, c'est Commandant Gaius! Évidemment! Putain, faut vraiment rouler dans lui. Merde. Mais tiens, bah, c'est dégueulasse. En fait, il faudrait que j'arrive à l'enchaîner, quoi. Faudrait que j'arrive à l'enchaîner, comme ça, je monte mes dégâts. Rasengan de Boruto. Ah putain, il y a le chapitre de Boruto qui va sortir, je crois, là, cette semaine. Hâte de voir. C'est vrai que je l'ai pas dit, on est le 17 juillet. Il est 21h07. C'est vrai que je l'ai pas dit en début de session. Le boss a l'air technique, mais j'aime bien, ouais. Après, ouais, c'est un gros bourrin. En fait, s'il bougeait un peu moins et qu'il avait un peu plus d'ouverture, ce serait parfait. Enfin, pour moi. Ouais. Je suis pas sûr que le boss ne bouge pas avec une petite caresse. Ouais, Boruto c'est banger, hein. Moi j'adore. Je peux pas comprendre ce. Il y en a qui aiment pas, tu vois. Alors que c'est exactement comme comme Naruto, comme on aimait bien quand on était plus jeune, quoi. Juste que bon, les forces sont un peu pétées, mais il le faut. Hein. Putain, mais il commence à me casser les couilles. Oui, bah vas-y, continue, hein. Te gêne pas. Attrape-lui les couilles pour le calmer comme les gros chiens. Wow, 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 doucement, Aka, doucement. Le sanglier qui te sauve. Mais en fait, oui, c'est surtout le sanglier en fait qui me défonce. J'ai vu la vidéo où tu découvres l'Héliatron et tu partais super confiant. J'ai reçu ma commande Holy, mangue, fruit. Hop là. Fruit de la passion, mûr, orange vanille et pamplemousse rose. Oh, tu vas te régaler avec cette commande Holy Defos. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Oh, merci bien. Ah, mais la vidéo où je découvre le boss tournesol, c'était une vidéo que beaucoup voulaient voir.
merde, je vais crever. Et non! Putain de merde! Putain, mais c'est mon senpai de la gravité! Oh, vas-y! C'est mon senpai de la gravité, quoi! Putain! Il m'a tout appris! Ah oui, le 1v1 tournesol, je l'ai posté que sur Twitter. Désolé, faut que je le poste sur les autres réseaux demain. Faut que je le poste sur les autres réseaux demain. L'animé de Boruto, je sais pas quand ça reprend. Oh, Sef, il y a les scans. Faut lire les scans. Alors, sur une échelle de 1 à tournesol, il est chiant comment, monsieur Port? Pour l'instant, ça va. Il a des hitbox un peu dégueulasses, qui apparemment ont été patchés. Mais j'ai compris qu'il fallait vraiment voilà, esquiver à la dernière seconde. Par contre, c'est vraiment un mastoc hein, de... C'est un porc niveau défense. Ok. Ouais, bon là je fais de la merde. Et comment va monsieur Cookby? Mais pour l'instant ça va, je me suis pas encore énervé dessus. Hein. La roulade. Pour l'instant, l'attaque en P1, l'attaque que j'aime pas, c'est celle où il fait un combo de 15 kilos, enfin de 10 minutes là. C'est ce que je déteste, mais sinon ça va. Par contre, il craint pas le saignement, ça me paraît trop bizarre. Enfin, il y a un sanglier quoi. Il saigne bien le sanglier. Même avec les doubles marteaux, il est long à stun. J'imagine qu'il doit avoir la plus grosse poise du jeu. En vrai, hors proc, le DPS de double katana, je trouve ça bof. Après, voilà, c'est chacun juge. Hein. Moi, j'aime bien les katanas de base dans mes découvertes. Les dégâts ont jamais été ouf, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est pour le proc que tu les prends. Ouais, j'ai un TikTok. J'ai un TikTok qui a tout à fait. Je poste que mes clips dessus. Voilà, regarde, facile à esquiver ça. Ok, je l'ai raté, alors qu'il est énorme, mais c'est pas grave. Et ouais, je parle de toi, de ton sanglier. Ah, peut-être un peu des deux. Ok. Putain, mais j'ai pas le temps de boire ma potion et de réagir sur sa... Non mais... Qu'est-ce que... Ok. Tout va bien. Mais j'ai... Je vais esquiver. Bah là, il va me tuer. Gaius, hein. Mais tu sens que c'est un boss bien chiant quand même.
En termes de difficulté, je pense qu'on peut le placer pas loin de Bale et bon, j'imagine, j'en sais rien du boss final, mais. Il doit être quand même. Enfin, je sais pas, il a l'air costaud et il est bien. Tu sais, il est tout seul dans son coin là-bas, quoi. Donc, c'est vraiment un boss, tu te dis, ouais, fais chier, je le fais pas. Est-ce que c'est un sanglier ou un facochère? Ah, ça. Mais après, le boss est un gros tank, toi, Kugby, t'as double marteau, putain. Toi, tu t'en branles, tu fonces, quoi. Moi, en découverte, je prends toujours des armes de Dex pour éviter justement de rouler sur tous les boss. C'est un sanglier, c'est confirmé dans le souvenir, d'accord. Top 4 niveau difficulté pour moi. Oula, oula, ça y est, ça spam. Ça spam l'invocation déjà. Et bah, je suis pas encore devenu fou dessus, donc ça va. Pour l'instant, je vais essayer de le soloter. Super. Ça y est. Ça commence à spammer le nom en haut. Putain. Quoi, vous pensez que s'il y a un autre Joker à utiliser, enfin mon dernier Joker du DLC à utiliser, ce serait sur lui? Je rappelle, pour ce DLC, j'avais deux Jokers, la mimique. Et la meilleure invocation du jeu, évidemment, le syndiqué. La légende vivante de cette aventure. Ok, il a gelé. Tout va bien. Trop tôt. J'aime rouler sur les boss. Mais moi, c'est ce que je disais, Kugby. En général, les builds de force, je les prends en NG+, ou après, quand je sais, j'aurais plus rien à foutre. Mais je prends toujours de la Dex pour la découverte, comme ça, le combat dure un peu, tu vois. La RNG est dégueulasse sur le boss. Le coup, il m'a spam 6 charges d'affilée, alors que j'étais à 2 mètres de lui, 2 mm de lui. Allez, hop. Ça me fait marrer parce que là vous êtes en train de parler du boss final. Donc ça sous-entend que outre ce boss, en difficulté, il me reste que le boss final et tout le reste je vais rouler dessus. C'est rassurant. Mais pas très pour lui quoi. Faut pas oublier que je pue la merde. Mais non, Kugby, enfin. Tu sens très bon après une bonne douche. J'en suis persuadé. Mais comme tu es un gamer, bah tu es comme nous quoi. Je veux dire, tu ne prends aucune douche quoi. Je veux dire, moi s'il y a bien une pièce chez moi que je vais jamais, c'est la salle de bain. Quoi. Normal. Et Rémi, salut à toi. Allez, 1, 2, 3, 4, bon. J'utilise la gravité contre toi. Ouais. Je suis vraiment con si je pense le stun avec deux katanas. Pour changer ton ballon d'eau chaude. Mon ballon d'eau chaude, il est dans mes chiottes. Et les vrais hommes lavent leur vaisselle à l'eau froide. Ouais. Aïe. Putain, cette charge, elle m'énerve. Cette charge est... Tu la vois arriver quand même, mais tu sais, je veux dire, la portée, elle est débile. Oh, oh, je les stun avec deux pauvres katanas. Oh, tiens. Vite avant qu'il passe en P2. Trop tard, il est passé en P2. Ok, j'ai esquive. Oh putain.
Oh, je lui ai enlevé de la vie, mine de rien. Par contre, il prend pas de saignement, hein. Oh putain, mais vas-y, maintenant il vole à moitié. Oh non! Bonjour! Allez! Dommage. Les vrais hommes se douchent au glaçon. Alors en vrai de vrai, je me suis déjà douché à l'eau froide. Pas par choix, hein. Ouais, beau try, hein. Je me suis déjà douché à l'eau froide parce que mon ballon d'eau chaude était... Enfin, voilà, mon chauffe-eau était mort. Et franchement, je sais pas comment font les gens pour se doucher à l'eau froide, mais genre normal. Parce que c'est vraiment le truc le plus insupportable que j'ai fait de ma vie. Tu mets 10 ans à te mettre sous l'eau parce que t'es là, un pied, le deuxième, les jambes, ensuite... Après, voilà, hein. Et après le dos, la tête. Il s'est déjà écoulé 40 minutes. Hein. Ça fait 40 minutes que l'eau elle est en train de couler. Hein. Je crois que j'ai jamais pris des douches aussi longues. Il y en a qui prennent des douches froides. Arrêtez. Mais froide-froide, hein. Je parle pas de tiède. Hein. Non mais entendons-nous bien, moi je parle pas d'une eau tiède, voilà, tempérée, moi je parle vraiment de l'eau glacée, hein. Genre t'as pas une once de chaleur. Hein. C'est pas le plus agréable, mais ça se fait. Hors de question. Après... Oh putain. Après, on l'a tous fait, tu vois, peut-être. Prendre une douche glacée. Mais pas par choix, quoi. Enfin, pas tous par choix, disons. Ah, mais moi, quand il fait trop chaud, non, mais... Même quand il fait une journée caniculaire à 38 degrés, je vous assure que ma douche, elle est pas froide. Hein. Elle est tiède, mais elle est pas froide. Oh non, non, jamais. Pour moi, Métir, Gaius, Tournesol, c'est un enfer. Métir, putain, moi je lui ai roulé dessus. Tournesol, un enfer, j'admets. Gaius, pour l'instant, c'est les hitbox pété et le fait qu'il a un milliard de défense, quoi, c'est tout. C'est ok. Ouais, on n'a pas tous des cheveux longs et soyeux comme les tiens, monsieur Kugby. Hein. Kugby pourrait faire la pub parce que je le vaux bien. Voilà. Oh, mais j'ai pas... Ah putain. Dans ta gueule. Mais c'est vrai que sur le coup j'y ai pas pensé à la technique de la casserole et tout. Pour chauffer l'eau et au moins que tu souffres moins. Trop loin.
Allez, bim, dans ma gueule. Oh non! Taste the booyah! Alors, c'est qui le roi de la gravité? Trop bien! Oh là là, j'ai pas mis tant de temps que ça à le faire, hein! Oh, je suis trop content! On a mis quoi? Une 40 minutes, une demi-heure, non? Putain, trop bien! Merci pour les GG! Oh, franchement, eh, combat très cool, hein! Moi, je le trouve vraiment très cool, ce boss! C'est vrai, un peu abusé sur les hitbox, mais à part ça, très cool! Très 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 cool. J'ai vraiment aimé ce boss. Oh, j'ai bien aimé Gaius. Trop trop cool. Merci beaucoup pour les GG. Ah oui, vous m'aviez dit le souvenir. L'augure des doigts pour extraire blablabla. Tous deux étaient comme des frères aînés pour le lion. Et tous deux furent maudits dès la naissance. Malgré cela, ou peut-être justement pour cette raison, Gaius était à la fois l'ami de Mesmer et le chef de son armée. Chef de l'armée de Mesmer. Ben, mérité. Très fort. Très très fort ce type. C'est combat respectable, j'ai bien aimé. T'as mis le temps que je prenne ma douche. Alors franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai... Putain, j'ai appris le boss rapidement, hein. C'est... Très content. Très très... La P2, j'ai stressé, hein. Tu vois, il me reste une fiole et tout. J'ai beaucoup stressé à la P2. Et quand j'étais à une petite distance et j'ai vu qu'il allait de toute façon se rapprocher comme il a des attaques, tu sais, qui... Genre, il fait une petite attaque, il fait 15 km. Je me suis dit, allez, c'est le moment, je charge une attaque et avec la longueur du katana, ça devrait le faire. Ça l'a fait. J'ai tout misé là-dessus. Oh là là. Oh putain. Non unique, infusable. Ah, d'accord. Ouais, trop trop bien. Moi ouais, franchement j'ai... Très très bon boss. Hein. C'est suspect que tu t'en sortes si bien. Bah... Pff, je sais pas. Mais il était fort, hein. Bah j'ai quand même galéré, hein, mais moi je pense que c'est tout simplement parce que je comprends le DLC maintenant. Ouah, putain, c'est quoi ce machin? Ah, mais c'est ce qu'on voit là. C'est ce truc. Hein. Parce que regardez, au début du DLC... Je comprenais rien, je galérais, j'ai affronté Bale, c'était mon premier boss du DLC. Premier boss du DLC, Bale. 99% des autres joueurs. Oh bah, c'est le lion dansant. Ok. C'est quoi cette merde? Ah putain, mais c'est les... Ah mais oui! Bouge pas, c'est les albinoriques. Qu'est-ce qu'un albinorique fout ici? Bah oui, enfin. Mais qu'est-ce qu'un albinorique foutrait là? Jambière de Gaius. Faut que je récupère son set sur les albinoriques? Talisman de tir précis. Chevauchant un... Jambière en fer noir appartenant au commandant Gaius. Une plaisanterie bien cruelle, car il était incapable de les porter. Chevauchant un sanglier qu'il décrivait comme étant son autre moitié, Gaius était en vérité un guerrier albinorique. Ah. C'était un albinorique, putain. C'est pour ça qu'il y a des albinoriques après. Améliore la puissance d'attaque lors des tirs de précision. Ouais, pour la Ronal Arc, c'est excellent, ça.
Putain, excellent. Ok, donc il y a d'autres albinoriques que je dois faire la fête là pour choper les restes de l'armure. Ah, t'as juste les jambes ici. Ah. MDR va pas faire un génocide. Je sais pas. Je pose des questions. Okay. Oh, les jambières quoi. Juste les... Non mais en fait il avait pas... J'avais pas vu, il avait pas les jambières sur lui. Oh c'est trop drôle. Mais c'est trop drôle en fait. Comme il pouvait pas les porter, bah il a laissé son pantalon à un pote quoi. C'est fou. Raven il commence le DLC avec le boss le plus difficile, puis pour le reste du DLC il est genre... What's the meaning of life? Why everything is so easy? Bah en vrai oui. En vrai oui. Je... Là, maintenant que j'ai des esquilles et tout, je sais pas, ça va. Oh, écoutez, le NG plus 7 sans les esquilles me pourrira bien. Il se battait le cul à l'air. Ah bah écoute. Comme ça, au moins, il pouvait se... Voilà, tu sais, je veux dire, il était à l'air. Putain, mais Gaius était pas capable de marcher. Bah ouais, c'est un albinorique. Ah putain... Comme son autre moitié, comment ça mon ref? Calice de l'arbre occulte. Oh, des esquilles. Oh putain. Oh ouais. Encore. Encore des esquilles. Toujours plus d'esquilles. Donne-moi encore des esquilles. Oh excellent. Peut-être que je peux monter deux niveaux. Y'a rien là-dedans. Non. Hop là, on a tous eu la même idée. Cercle d'Elden. Allez hop. Bah voilà. On a tout vu. J'allais voir de ce côté là en fait. Trop cool. Ah oh, trop bien, on a des esquilles et tout là. Par contre je comprends pas l'intérêt de ce gros mur, de cette muraille. Pour protéger le calice. Enfin, il n'y a rien autour. Tu peux y rentrer comme dans un moulin. Je sais pas, c'est bizarre, non? T'as une putain de muraille qui sert à rien. C'est fou. Regarde ça. Ouais. À faire joli. Ah, putain. L'arc de triomphe version Elden Ring. Et plus haut, si je puis me permettre. Ok, on va aller à la table ronde, tiens, on va en profiter. Avec tous les boss qu'on a battus, j'ai jamais trop regardé qu'est-ce qu'on lootait. J'aime bien le terme contemplatif que tu utilises, Azukami, pour dire hop, ça sert à rien. Non mais c'est contemplatif. Alors, lion dansant. On avait vu, augmente la puissance des tempêtes, octroie des affinités des compétences à une arme. Écrasement glacial divin, ok. Parce que piétinement givrant, ils l'ont tellement nerfé qu'ils ont été obligés de faire un autre truc. L'âme jumelle de Relana. Les deux boules de Relana. Souvenir de putrescence. Ouais, le fandoir, effectivement, où il faut de l'ésotérisme et de la force. Vortex de putrescence. Il faut de la foi, hein. Autant de foi que d'intelligence pour l'utiliser, bien évidemment. Épée lance de cavalerie. Ah, frappe gravitationnelle rotative. Ça fait chier que j'aime pas les lances. Ça... Ah, mais remarque, je peux peut-être choper la lance et après utiliser le weapon art sur une autre arme. Tu vas me dire. Mais il y a aussi lame de roche. Fait surgir des lames rocheuses de la terre. Oh, les deux auront l'air intéressants. J'ai pas regardé les armures, on va regarder aussi. Alors, en battant la saloperie de tournesol de mes couilles, fleur d'ombre flore. Ok, pas trop ce que c'est. C'est une arme colossale, apparemment. C'est un tournesol fané. Ok, très bien. Royaume des ombres. C'est... Ils sont allés chercher loin pour le nom. Hein. Vraiment, putain, il y a de la recherche. Hein. Nico Daxvax, salut à toi. Bon, écoute, ça va super, et toi, comment va? On vient de battre un boss très difficile du DLC et ça allait. 58 de foi?
Jeez, putain. Espadon de la damnation pour Midra. Ils ont tous des noms en M, c'est compliqué. Flamme exaltée de Midra. Invoque la tête du seigneur de la flamme exaltée qui crache la flamme exaltée. Wow. Souvenir de la mère des doigts. Bâton de l'au-delà, doigt scrutateur. C'est pour se curer l'oreille. Ah, c'est une arme colossale. Plutôt pour se curer le cul. Ok, contendant, bâton d'éclat. Très bien. Et Mesmer, la lance de l'empaleur, évidemment. Et l'orbe de Mesmer. J'ai vu des youtubeurs PVP utiliser ça à outrance. C'est hyper puissant. 62 fois! Ah ben, c'est intérêt d'être puissant, si je peux me permettre. Ah, l'armure de Mesmer, tout ça. Aume de Relana. Oh, c'est trop cool. Armure de Gaius, bien sûr. Ah oui, du coup, t'as pas les jambières de Gaius. C'est pas mal, le petit détail qui a son importance. Gaius fut le premier disciple du seigneur d'Albâtre, qui a enseigné à Radan et Gaïa la technique gravitationnelle. Gaius, non? Hein? C'est Gaïa? Il y a une erreur de trad ou... Ah ouais, la run du doigt, là, là, on va pouvoir changer d'arme, ça va être très cool. Lis la description de la flamme de Mesmer. Mesmer. Invoque la flamme de Mesmer pour façonner un gigantesque orbe flottant. Ce dernier flotte en direction d'un ennemi, s'abat sur le sol et explose après un court instant. Chargez ce sort pour accroître sa puissance. Mesmer nourrissait un profond mépris pour son propre feu. Il tenta inlassablement de s'en purger, mais jamais il ne cessa de le consumer. Bah ouais, le feu était issu de lui, hein. Pour l'arrêter, il fallait s'arrêter soi-même, forcément. D'accord, il y a eu Gaïa, mais on sait pas qui c'est. Ok. Donc, attends, Gaius fut le premier du seigneur d'Albâtre. Gaius a enseigné à Radan la gravité. Donc c'est bien ce que je dis, c'est mon senpai aussi. Parce que moi je suis disciple de la gravité. Waouh. Et Gaïa, on sait pas qui c'est, d'accord. Trop bien. L'armure peut être cool hein, sur un build de... Sur mon build de force foi. Ça a l'air d'être une armure bien lourde sa mère. Bon bah ok. Eh ben allez. Hop là. Allons ici. À la tour mineure du viaduc. Let's go. Gaius va pas enseigner à Gaius, c'est logique. Oui, non, mais je pensais qu'il y avait une erreur de trad là-dessus, tu vois. Genre, Gaius a appris du seigneur d'Albâtre et... Ah bah oui, il a appris. Hein. Forcément. Bénédiction. Oh là là, les gars, je me renforce! Niveau 16 de l'arbre occulte! Oh, ma puissance est sans limite! Wow, 1175 sur mes deux katanas, là. Enfin, 1175, 1143. Putain. Ouais, 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 hein. On est sur des trucs pas mal, hein. Et 851 sur Lushi. C'est quoi ce machin au loin? C'est une illusion. Ok. Bizarre. Bon. Très bien, très bien. Gaïa sera dans le deuxième DLC de Elden Ring. Gaïa, ça me fait penser à... Dame Gaïa! Dame Gaïa! Pour ceux qui ont connu la série Noob. C'est... Voilà, c'est tout. C'est tout ce que ça me fait penser. Jamais dépassé ce palier. Ah, écoutez, une hallucination collective. C'est la dernière zone qu'on n'a pas explorée de ce DLC, les gars. C'est la dernière zone. Tout le reste, on a exploré. J'ai peut-être raté des trucs, bien évidemment. Mais c'est la dernière zone qu'il nous reste à explorer. Let's go.
Corne dorée fragile. Pas de son en vue. Oh. Okay. Très bien. Zone la plus belle? Très bien. Allons voir ça. Ça me fait penser à God of War et Yu-Gi-Oh. Ah ouais. La série Noob. Une vieille web série sur YouTube. Mais c'est vrai que c'est un peu moins le vent en poupe maintenant. Mais à l'époque, c'était banger. Voilà. Le boss de cette zone, Raven, tu vas l'exploser. Tu dis ça parce que je vous ai montré toute ma puissance devant Gaius. Le faux gras substitue du foie gras. What? Salut à toi, monsieur Samane, pardon. J'avais pas vu que t'étais là. Quel bonsoir. Le rectangle à part dans la dernière zone. Ça, là? C'est un boss? Okay. Ouais, bah, c'est un mausolée, j'imagine. Faut descendre. Donc attends, on a fait ça. Ok. J'accepte. Pierre de lien. Manuel d'expert en antiquité. Provoque une explosion spirituelle consommant la fée qui réside dans la pierre. Usage illimité. Mais dites-moi, ça pue la merde! Explore bien, prends ton temps. D'accord. Essayez, attaque. Ok. Bonjour! Un scorpion! Tu vas mourir, scorpion! C'est mon signe astrologique, mais bon, je vais quand même t'en mettre plein la gueule. Et combien êtes-vous? Hein. Alors, une du royaume des ombres. Alors, je m'attendais à un truc meilleur. Un nouveau cookbook, let's go! J'ai vu tellement de mèmes là-dessus sur les cookbooks sur Twitter. Ça fait trop rire quoi. Les mecs ils sont là, tu sais. Oh god damn it, Elden Ring, if it's another cookbook! Ah putain. Ok, faut que j'explore, faut vraiment que je fasse gaffe. Alors, me dire attention, regarde bien. Quelle est l'emote la plus utilisée depuis un mois? Aveugle. C'est marrant d'ailleurs. Quand on est en run classique ou quoi, tu sais, c'est GG ou Stonks dans certaines soirées. Mais en découverte, l'emote la plus utilisée, c'est toujours aveugle. C'est trop drôle. Ce cher. Oh, ce cher aveugle, il est là, il est présent. Bon vieux Gilbert. Et allez, voilà, j'ai invoqué le démon. Voilà, un spam de raveugle ici. Bien évidemment. Pour les stats, hein, bien sûr, pour les stats. Hein. Ouais, putain, je te jure. Ah, ça descend. Très bien. Enfonçons-nous. Hein. Le raveugle est présent. Non, mais c'est ça, c'est. Regarde bien. Ouais, ouais, t'inquiète. J'ai eu du cul sur Ismir, je peux pas avoir du cul de partout. Mais après, Ismir, c'était... Attends, mais lui, non, il a pas... Pas lui qui drop des trucs? Ah non, j'ai cru. Oh putain, si, lui!
Non! Ils drop pas des trucs bien, eux? Ouais. Ils drop ses calculs rénaux. Génial. J'avais cru voir un truc qui brillait. Mais bordel de merde! Que se cache-t-il derrière cette grosse porte en pierre? Un nid de roux. Oh, des petits escargots. Ah oui, je me suis douté que c'était ce putain de mob. Je vais affronter un escargot bicéphale, ça va être vite vu. Ça veut dire à deux têtes. Ouais, ouais, des fois j'ai du vocabulaire. Ouais. Ok. Faut que je prenne Torrent. Je savais même pas que tu pouvais le prendre dans les runes. Mais je vais où là? Je sais pas où est-ce que je suis en train d'aller, mais. Mais écoutez, j'y vais. Ok, donc possiblement là où il y a ces lucioles. Ah putain, on est là-bas. Putain, mais faut que j'aille où? Bon. On va aller voir déjà là-bas. Tellement d'endroits. Je sais même pas où aller. Ok, là tu peux remonter. À côté le château, c'était une petite balade de santé. Mais j'ai compris Zinwin, pas la peine de copier-coller toutes les 5 minutes. J'ai compris. Faut que je fasse gaffe. Il est déjà perdu. Non, ça va. Non. Je me repère très bien. Donc, on peut remonter par là. Chose que je ne ferai pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas fini d'explorer la gauche et la droite de là où on était au bout. Et attendez. Reviens en arrière, là où j'ai tué les deux lucioles. Vous inquiétez pas. M'en vais pas de ces ruines. Alors. Là où là? Là-bas. Ouais, voilà, oui, la première grâce ici, oui, non mais clairement. J'aurais pu aller par là. Putain. C'est trop bien. Trop bien. Alors. Ah, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces sorts? Il faut que je reste attentif. Où est-ce que je vais? On n'oublie pas qu'il faut qu'on revienne vers les colonnes d'air et qu'on aille à droite, comme là je suis allé à gauche. Hop, tu m'imagines avec la voix qui fait le GPS. Alors à la prochaine intersection, tu tournes à droite, puis après à gauche. Ou alors c'était à gauche puis à droite. Attends, je sais plus. Le chat, aidez-moi. C'est le GPS de merde. Ah, statue de Marika. Oh putain, il y a un truc qui arrive. Coste merde. Il y a un type avec un gros marteau. Oh non.
C'est un chevalier du creuset. C'est un boss? C'est même pas un boss. Ok. Je connais pas le pattern, mais... Attends, mais du coup, il a de nouvelles attaques s'il passe en P2. Il est génial. Ça que Bi, il doit aimer ce marteau. Cette merde! C'est quoi cette merde? C'était quoi ça? What the... Bah oui, il fait le tourner. What the... Mais il a combien d'attaques? C'est le capitaine des chevaliers croisés, c'est quoi? GG. Taste de Booyah! Je bois un coup à ta santé. Marteau de Dévonia. Home marteau du creuset. Waouh! Grand marteau brandi par Dévonia, la plus ancienne vétérane des chevaliers du creuset. Faite d'or primordial, cette arme au reflet rougeâtre est imprégnée d'une antique aura de sainteté. Une gravure évoquant un foisonnement de vie embellit sa table. Imprégné de l'énergie du creuset de la vie, forme primordiale de l'arbre monde, renforce les incantations des aspects du creuset comme d'hab. On raconte que Dévonia se mit en tête de découvrir les origines du creuset et quitta seule les terres de l'arbre monde. C'est la seule chevaliette chevalier du creuset. Oh putain. Oh y'a... Oh très bien. Hein? Les mots gravés prennent forme. Je renonce séant à ma dernière once de chair. Esquille de l'arbre monde. Message de Dan. Nous avons trouvé l'arbre du sceau. Mais pour le brûler, il nous faudra un combustible bien précis. Celui du seigneur Mesmer, rien de moins. Comme avec le géant de feu, on avait brûlé l'arbre et tout. Et ben là... Ok. D'accord. On n'y était pas allé là. Non, c'est que des zones inexplorées ici. On va très bien. J'ai combien d'esquilles là? On est qu'une. Bon, c'est pas assez pour monter d'un niveau. Il m'en faut encore deux autres. Chevalière, tout à fait. C'était limite, hein. Ouais, putain, j'ai... Je savais qu'elle était à un ou deux coups de crevée, donc j'ai tout donné à la fin. Mais j'ai été un petit peu vite. Ah, notre item. Cendre de guerre, tourbillon de mortes feuilles. J'ai pas trop regardé les cendres de guerre, j'avoue. Avec cette lettre, je peux le dire maintenant, ce qui m'avait étonné, c'est que Mesmer est un boss obligatoire. Bah justement, alors, du coup. Tu bats Mesmer, et après, tu... Bah, je sais pas quand, à quel moment, mais tu brûles l'arbre, quoi. Ah putain, mais tu dois aller par là. Oh! Ah oui, mais non. Si je vais par là après. Mais d'accord. Donc en fait, on peut aller par là. En. Par là. Ok, d'accord. Très bien. Message reçu. Mais on n'a pas fini.
Parce qu'il faut qu'on aille de l'autre côté maintenant. La région a l'air cool, hein. J'ai encore rien vu, j'ai à peine rentré, je suis allé à droite et je suis tombé dans des ruines. Donc maintenant, par là, qu'est-ce qu'il y a? Des racines. Un truc qui va me tomber sur le coin du nez? Non, je pense pas. T'es vu. Voilà. Oh, what the... Ah non! Non! On a donné quoi? Ah putain, elles vont me sauter dessus à partir de là. Attends. Je vais les éliminer. On sera plus tranquille. Okay. Il y en a d'autres. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que... Tac, tac, tac. Talisman à plume raffinée du creuset. Améliore le pas en arrière, mais augmente les dégâts subis. Excusez-moi, hein, mais ça a l'air à chier, non? Bah, je viens de le faire, là, les dernières lucioles, je les ai défoncées au L, hein. Si t'as qu'un mob, c'est pas toujours utile. Et là, du coup, je... Ouais, c'est bon. Ok, je rejoins. Donc attends, parce que maintenant... Ah, je récupère des fioles, c'est bon, ça. Donc là, il faut aller à la deuxième colonne d'air. Je viens de celle-ci. Il faut que j'aille à la deuxième colonne d'air, maintenant. Non mais quand je fais un effort de suivre, les gars, j'y arrive. Ok, là, ça m'amène où? Putain, je suis... C'est identique à là où j'étais, alors qu'en fait, c'est pas du tout là où j'étais, puisque j'ai tué tous les mobs. Ah bah oui, bah très bien. Oh, esquille de l'arbre monde. Let's go. Je savais bien que ces mobs à peau pouvaient cacher des trucs. Oh là là, plus qu'une esquille, on monte encore de niveau et on passe au niveau 17. Ah oui, ouais, c'est ce que j'avais noté là. Très bien, très bien. C'est un ascenseur? On aurait dit. Il y a des mobs, mais je sais pas où. Ouais. Ouais, on est en hauteur par rapport à tout à l'heure. Très bien. Je me repère sans me repérer, mais je... Mais du coup, attends, si on repart en arrière, entre guillemets, on va où? Comme c'est pas la même entrée que tout à l'heure. Ah! Encore toi? Pas mal, t'aurais presque pu me tuer. Presque. Il fait que se barrer. Oh. Il me glisse entre les doigts, la danseuse là. Ah bah il m'a tué. Ah merde. Bon, je sais comment y retourner, ça va. Je suis arrivé au boss de fin niveau 18, j'ai pas trouvé les dernières esquilles. Peut-être parce que c'est des mobs qui les avaient. Parce que moi ça, on me l'a appris durant un stream et tout, on m'a dit, ah mais tu sais que ces mobs, ils lâchent des esquilles. Quel mob?
Et c'est après que j'ai compris que c'était les mobs peaux. L'ennemi, ouais, ça dépend. Des fois, j'y arrive bien et des fois, je me fais défoncer. Un peu kitoudoulou. Allez, let's go. Et Romance Forever, salut à toi. Bien le bonsoir. Allez, on sait où aller. On prend pas celui-là, on prend l'autre. Bon, pour l'instant, l'exploration se passe bien. Mais je me dis, c'est que des ruines. Enfin, après, tu me diras, on a exploré une bonne partie de la carte comme ça. Voilà. J'ai cru que j'allais bugger dans le mur. Swincho, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Ah oui, lui il t'attaque pas. Il se... Il m'a... Tu vois, il regarde, après il se barre. Et voilà. Ah, il est là. Regarde, il est là cet enfoiré. Je comprends rien de ce qui lui arrive parce que le sort est invisible. Ah, je crois que je l'ai fait bugger. Non, c'est... GG. Taste the Booyah. Bye bye le mob. Bien le bonsoir à Fagoliath, bien le bonsoir à toi. Mais après je remarque aussi, il y a des fois c'est que je suis moins concentré et du coup je me perds tout le temps. Ou juste que je suis fatigué, je fais pas gaffe, tu vois. Que là je te dis, j'ouvre vraiment tous mes chakras, hein. Tu sais, je suis là, ok, alors attends, je suis passé là, j'ai fait ça. Je... ok. Non, après là c'est limpide, ça va. En fait, là où je commence à me perdre dans les donjons, c'est quand je perds un peu la notion du « je viens d'où » et après, ben ok, il faut que j'aille à droite, à gauche. C'est, tu commences à me perdre vite après dans ce moment-là, là ça va, c'est toujours assez linéaire malgré tout. Génial. Ah. Ça c'est chiant. Excellent. Non, faut mourir par contre, monsieur le scorpion. Et là tu vois par exemple, j'ai pas réfléchi à où est-ce que je suis allé, donc là je suis perdu. Dans le sens où je vois pas, attends, par où je suis passé. Je retourne en arrière juste pour voir. Tu vois, j'étais pas concentré sur où est-ce que je suis allé. J'ai avancé en fait par rapport à tout à l'heure. Et non, t'as un autre chemin là-bas. Moi, je suis arrivé de là. Ok. Non, mais pour moi, c'est des efforts extraordinaires ce que je suis en train de faire là. Tu pouvais aussi aller par là. Mais là, ça rejoint pas les scorpions que je viens de faire. Non, je viens de faire des scorpions ici. Ouais, voilà, c'est encore autre chose. Oh, ok, te perds pas, Raven, te perds pas. Reviens parmi nous. Parce que tu peux aller par là. C'est à côté, c'est pas bien loin. Donc je suis ok. Donc là, t'as l'autre là. Je savais même pas que les scorpions pouvaient faire ça. Enfin, du jeu, hein, je me doute bien qu'IRL, les scorpions, ils te font pas des roulades, hein, mais... Mais il commence à me casser les couilles, là, par contre, l'acrobate, là. Tu commences vraiment à me faire chier. Ah oui, d'accord. Eh, t'as vu, j'ai une gimmick où je roule. Donc, du coup, eh ben, ça roule pour moi. Voilà.
Mais putain, tu me... Non! T'as fait ta dernière roulade, le scorpion! Y'a un scorpion là, non? Je rêve. Oh, et c'est reparti! Ça va, si j'ai survécu à la hitbox du commandant Gaius, je peux survivre à la roulade d'un petit scorpion. Je vais faire attention à son gros bout rouge là, ouais, effectivement. GG. Super. Je sais pas si t'as vu, je pense vraiment pas, mais les scorpions ils roulent. Ah, merci de me le préciser. Je connaissais pas cette attaque. J'espère qu'ils me la font pas trop souvent, hein, on verra. On verra ce que la RNG décide pour moi. Roulade, quelle surprise. Le pot. Ah. Rien sur lui. Il brille. À moi. Ah, de la merde. Un d'autres. Pas l'impression. Mais si là. Raveug ne l'avait pas vu. Très bien. Mais c'est là d'où je viens, non? Les escargots, là. Attends, les escargots, je les ai faits, non? Mais non, mais tout à l'heure, j'étais dans un endroit que j'avais jamais vu, et là, je retombe sur... Mais oui, les scorpions et tout. Oh, putain. Oh là, non, attends, comment j'ai fait, là? Mais non, mais j'étais dans une zone que j'avais jamais vue et là d'un coup, ça y est, je retombe sur des pièces que je connais. Là, par là. Ok. Donc ça sert à rien de passer par là, quoi. Ok. Oui. Non, aveugle n'est pas là, arrêtez. Je ne vois pas de qui vous parlez. Voilà. Donc maintenant, on va par là. Ici, le chemin. Soit par là-bas. Ça a l'air d'être encore immense. On reste dans les ruines pour l'instant. Ça va, j'ai quasiment tout visité les ruines, j'ai l'impression. Il me reste là-bas. Et ici, j'avais laissé des scorpions. Voilà. Bah, ça se trouve, ça rejoint d'ailleurs. C'est moi ou il est plus gros? Ok, d'accord. Ah putain, avec l'autre là qui fait ses roulades de merde. Oh, attends, mais... Ok. Ok. GG. Yes! Taste the Pouya! J'ai battu le scorpion géant. Foie de scorpion. Cendre de scorpion arachnéen. S'il est aussi gros... Que suis-je que je viens de battre? Je dis oui. Et non, Raven, c'est le modèle miniature. Ah, génial. Ok. Quasi sûr que ça renvoie là où j'étais. Tiens. Raven ne s'est pas perdu dans ces ruines, mesdames et messieurs. Et là, je sens venir le message du... Ouais, bravo, bah maintenant, retourne dans les ruines parce que t'as oublié ça. Non, je pense que l'exploration était bonne là. Bon, maintenant, faut trouver un site de grâce ou quelque chose pour se reposer. Sympa.
La version pour les enfants. Il faudrait pas qu'ils se blessent, les pauvres enfants. Ça sent le message, voilà. Chien, allez, comme d'hab. Chien droit devant. Chien droit devant. Chien au chien. As-tu trouvé l'esquille? Bah, c'est ce que j'ai ramassé tout à l'heure. J'en ai trouvé plein des esquilles. Deux, j'en ai trouvé. Un sur un mob et un par terre. Hop là! Hop là! Hop! Et c'est terminé! Il est tout seul, le pauvre. Il doit se faire chier. C'est comme quand tu manges toutes les pommes de ton paquet de pommes. Il en reste plus qu'une. Et après, t'oublies son existence même. Et quand tu reviens la voir, elle est toute flétrie. Et tu sais, toi, t'es là. Oh merde! Là, ça nous est tous arrivé. Bon. Ah, tu peux descendre là? Ah, je descendrai bien, mais. Je sais pas si c'est bien le bon chemin. Il y en a une ici. Là où je me situe, d'esquille. Il y en a une là, présentement. Et cette esquille, Matt, elle est avec nous en ce moment? Putain. Bah, une esquille, où donc? Parce que j'ai ramassé. J'en ai trouvé deux, moi. Bah oui, j'ai tué un mob avec un pot qui m'a looté une esquille. En fait, c'est, je me méfie parce que si vous me dites ouais, t'en as raté une et puis après ça va finir 20 minutes après en ah bah non, tu l'avais ramassé. Je préfère me méfier. Je me méfie. J'ai eu une esquille par terre ramassée librement à côté de l'effigie de Michaela et j'ai tué un mob avec un pot qui m'a donné une esquille. Ah, yes. L'ai eu. Merci. Voilà. Je préférais redire. Bah, du coup, attends, je fais quoi? Je descends. Il n'y a pas de souci, Matt. Aucun problème. Non, mais en fait, pour ceux qui ne se souviennent pas, le samedi dernier, pour le château noir, à un moment, pendant bien 20 minutes, j'ai essayé d'explorer pour trouver un endroit pour avancer dans le château. Et en fait, c'était pas du tout par là. Fallait que je reprenne un autre site de grâce, que je passe ailleurs. Bref. Je sais pas si je peux y aller, là. Apparemment, il y a un truc à récupérer, là-bas. Bon, après, on peut y aller. Et après, on peut reprendre du site de grâce, là. Concrètement. Go. 5 heures de sel, la semaine dernière. Après, Mesmer, on l'a bien géré. 1, 2, 3, terminé. Mais non, mais en fait, moi, si tu veux... En plus, j'avais la musique à... Encore une fois, j'avais la musique à côté. Donc, tu sais, si tu veux, fallait... Enfin, c'était pas la soirée à me saouler, quoi. Et tu sais que pendant autant de temps, on te dit « Ouais, continue d'explorer, tu vas trouver, nanana. » Et en fait, c'était pas du tout par là, tu sais, j'étais là, bah, les gars, enfin, merde. Bon, après, hein, c'est comme ça, hein, tant pis. Mais bon, j'ai perdu 20 minutes, quoi. Mais j'ai tourné en rond pendant 20 minutes pour rien. Ah, l'hippo. C'est lui qui doit looter les skis. Et il y a une petite statue de Marika juste à côté, dis donc.
Ah bah super hein. Ouais le coup critique je le ferai un autre jour. Super. De Booyah! Tranquille! Esquille de l'arbre occulte! Oh, j'ai assez? Oh, j'ai assez pour monter d'un niveau! Excellent! Reed, tu as eu le commandant? Je vais pas dire facilement, mais je l'ai eu en quoi? Une grosse demi-heure, un peu plus, non? Je sais honnêtement pas en combien de temps on l'a eu, hein. Je vais être sincère. 30-40 minutes, je sais pas. Mais on l'a eu, et un super try. Hein. Franchement, tu me dis tout de suite de le refaire, je pense que je me fais encore éclater pendant 10 minutes, mais ça va. Les esquilles sont les excréments des hippopotames dorés. Hein. Et tu me dis ça, là, que je la mets contre mon visage? Parce que je suis content de l'avoir. Ah putain. Je te jure. Je suis tombé sur YouTube une vidéo du gars qui fait question pour un champion qui joue à Elden Ring au début pour arriver à Varé. Il a mis plus d'une heure, c'était tellement long que je me suis endormi avec cette vidéo. Il a mis une heure pour arriver à Varé et il a fait quoi entre temps? Vraie question, hein, légitime. Hein. Pas juste, mais il a fait quoi? C'est vraie question, il a fait quoi? Il a créé son perso, il a exploré un peu, il comprend les mécaniques. La puissance qui augmente de 0,2 par niveau. Écoutez, 0,2, on prend. C'est peut-être le dernier point, tu vois, la dernière petite attaque pour battre le boss final. Vous n'y connaissez rien, mesdames et messieurs. Encore un chien. Sanctuaire des chiens. Ah, il lisait tout ce qui était marqué au sol. Regardez toutes les taches de sang. Ah ouais. Mais après, bon. C'est le début, c'est normal. Regarde, c'est comme on te dit trésor en bas, là, d'une falaise. Tu vas sauter, tu vas crever, tu vas dire ah, très drôle. Et après, tu vas apprendre à te méfier. Je crois qu'on a tout vu, hein. Je crois qu'on a tout vu. Ok. On va pouvoir revenir là. Ah putain, c'est le bordel. Je suis même pas... En partant de là, je suis même pas allé là. C'est un truc de dingue. Je suis même pas allé tout droit. Je sais même pas où est-ce que ça mène. Parce que là, je suis sorti des ruines, théoriquement. Attends, on va revenir là. Et on va aller voir à côté. Putain. Ouais, là, le... C'est très, très grand. C'est intriguant, quand même, ce qu'il y a là-bas. Et après, on pourra continuer d'explorer. Là, on va regarder ici ce que je peux rater. Et on va voir. Parce que là, il y a tout un truc, là. Donc je pense qu'il y a, quelque chose. Il y a forcément un truc à voir. Un cookbook à ramasser, évidemment. Un manuel d'artisanat. Ceux qui ne parlent pas anglais. Oh, putain, mais c'est quoi ça encore? Sérieux? Sérieux, encore des ruines? Oh putain, mais t'es sérieux, encore des ruines? Bonjour, excusez-moi, je suis un peu perdu. Je cherche l'office du tourisme, vous n'auriez pas vu par hasard? Non, très bien. Oh, le fantôme bleu a fait pareil que moi, x4 pour le tuto.
Après, c'est bien quand quelqu'un s'émerveille sur... voilà, mais c'est vrai que bon, peut-être un peu exagéré, effectivement. Alors, je peux passer par là. Ou je peux continuer là-bas. Hop. Oh non. Oh merde, j'ai pas mon nouveau sort. Enfin, j'ai un nouveau sort, mais c'est pas sûr. Ok, go. Un... 2, 3. Ouais, fais ton heal là pendant que moi je suis en invincible. C'est terminé! Ils ont des têtes, ouais, un peu bizarres. Okay. Rien d'autre dans le coin? Ok, donc là, à moins qu'il y ait un passage secret. Ah ah ah! Offrez doigt. Quel doigt. L'humour. Une... ouais. Une composante forte de cette communauté hein, qui nous réunit. Ok. Allez. Earl, Earl, Knight, yeah. Normal. Très bien. Maintenant. Waouh! Très joli! J'apprécie. Et là, tu peux descendre là où il y avait l'hippopotame et tout le bordel. Ouais, je retombe sur mes pas là. Ok! Eh ben, bien! Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Bon, ils ne m'ont pas looté grand-chose par contre, les mobs. Et si je pars de là et que je vais tout droit, j'atterris où? Ah, pas de lien malheureusement, Super Shiro Bros. Pas de lien. De toute façon, t'auras beau essayer, ça marchera pas. Donc attends, si je commence de là, est-ce que déjà je peux aller... Ah ouais. D'accord. Dans tous les cas, tu pouvais pas aller bien loin. Là, je crois qu'il y avait un truc. Ça sert à quelque chose de ce que je suis en train de faire hein. Ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Et de là, tu retombes dans les ruines qu'on était tout à l'heure. Il a un pot ! Chargé ! Cendre spirituelle vénérée.
Voilà. Lui. Putain, il est vraiment là pour gâcher mon plaisir, lui. Encore un. Ouais, bon, il va rien me looter. Ah, c'est d'autres ruines encore. C'est les mêmes, mais pas vraiment. Ça doit tous rejoindre de toute façon. Je pense que c'est tout connecté. Ah, il est là-haut. Pas mal, pas mal. Bah alors, ça t'amuse? Oh, pierre de forge sombre neuf, ça je prends. Faut que le pot scintille, d'accord. Ah, attends. Ok, je crois qu'on est bon. Ouais. Ah. Alors, il y a une porte, mais avant... Monstruosité droit devant. Porte droit devant. Lol. Rien de spécial. Allez, allons ouvrir cette porte. Suite de ruines. Groupe, essayez verrouillage de cible. Après, pour un amateur, toi, moi je fonce dans le tas comme un débile. Facile. C'est ça le groupe de mobs? Attention à gauche. Bien la glace, hein. Bien le bonsoir, Hibou. Bien le bonsoir à toi. Ok. Alors, soit tu repasses par là, soit tu avances par là. Ok, il y a un truc. Et là, il y a quoi? Ah, tu peux descendre encore plus bas. On va d'abord aller là-bas. Bonjour.
C'est là où je suis tombé au début. Bah c'est bon, j'ai tout exploré, non? Parce que là, je retombe là où j'étais au tout début. Ouais, c'est sûr. Je suis confiant. Voilà, je crois que là, on a bien exploré, c'est très cool. Ah, c'est-à-dire je peux pas me TP. Donc on n'oublie pas que on n'a pas pu aller ici, je sais pas comment on y va. Il y a un pont ici, je sais pas si je peux y aller. Peut-être en passant comme ça, clac, 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 et clac par là. A voir. Bien vu, l'aveugle! Eh mais quand je me concentre, les gars, je... Hein? Moi, je suis une bête, hein, quand je me concentre. Hop! Et bénédiction de l'arbre-mont de 17! Oh les gars, niveau 17! On ne plaisante plus avec le ravi! Ok. Bon! Qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, il y a une de ces saloperies là-bas. Vas-y, allez tuer. Ouais, évidemment. Ça, je le sentais venir. Oh oui! Évidemment. Ah mais... Ah oui, d'accord. J'ai le dégommé. J'espère que je peux aller le dégommer. En fait, ça dépend. Est-ce que c'est un qui a les jambes renforcées ou pas? Oh, Dieu merci, non. C'est parti. Mais c'est pas parti. Je suis en train de me faire exploser. Putain mais tu vas tomber espèce de... Ça met bien 2 ans. Et encore. Ah. C'est que j'avais affaibli les deux. Putain, mais tu tombes ou pas? Oh, bah putain! Quel côté? Non. Allez, faut le faire tomber encore une fois. Alors, Ito, le Prime Day, qu'est-ce que c'est? Ça se passe.
Il y a le bon sort sur Arito. Ok. De Beria! Oh mon dieu! Oh là là! Oh là là! Mais, ah, il y a eu un bug! Il y a eu un bug! Merde! Ah oui, je vois que le stream s'est relancé. Alors, le stream s'est relancé. Mais moi, j'ai rien eu en bug. Coupure, bah, ça vient pas de chez moi. Si coupure il y a eu, cela ne vient pas de chez moi, mesdames et messieurs. Bah ouais, bizarre. Ah ouais, marrant. Ah ouais. Eh bah, écoutez. Déco du live pendant quelques secondes. Bah ma foi. Ce sont des choses qui arrivent. Dans tous les cas, on a gagné. Dans tous les cas, on a gagné. Je me disais, j'étais en train de combattre le machin. Et le stream était en train de... J'ai eu un bug d'appli Twitch sur ma console. Ouais, mais je pense que c'est Twitch, moi, qui peut-être a un petit coup merdé. Bon. Ce sont les choses qui arrivent. Mais parce que moi, ma co, ça a l'air d'être nickel. Hein. Enfin, mon... Ce sont les choses qui arrivent, écoutez. Larme pourpre fissurée de drain. Visage du fourneau. Dans une fiole, permet aux attaques de restaurer des PV. Ah, ça peut être combiné. Ça, c'est pas mal. Tu peux le combiner avec ça. Restaure des PV lors d'attaques successives. Ah, ça peut être pas mal. Ah, t'as loupé plein de boss, Arito, ouais, ce soir. Je suis navré. Tu as loupé beaucoup, beaucoup de boss. Ah, putain. Ok. Bien le bonsoir, Grachios. Grachios, pardon. Bien le bonsoir à toi. Il a fait Gaius le pire boss. Devine en combien de temps je l'ai battu. De toute façon, il est 22h40, je pensais pas me lancer dans grand chose là. Pour être sincère. On finira d'explorer la zone samedi. Et puis voilà, hein. Je crois que c'est pas mal. Ouais, c'est à peu près ça, Arito. C'est à peu près ça. Ruine antique orientale. Ouais, je crois que de toute façon, là, il n'y a pas grand chose de plus qu'on va faire. Hein. Je pense que l'on va s'arrêter là, tout simplement. Alors, ça fait un peu chier pour ce petit bug de fin, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit à la fin sur un truc pas intéressant que. Écoutez, hein. Je ferai une petite. Je ferai une petite rustine. Voilà. Au moins, j'ai pas loupé le meilleur vivement samedi. Ouais, donc samedi, on continue d'explorer. Alors, on a, je pense, plutôt bien exploré cette première partie. Faut pas oublier qu'il y a ce morceau, qu'on sait pas ce que c'est. Il y a un morceau, là, va savoir. Et après,
tu vas avoir tout le reste là. Tout le reste là, tout ce morceau. Et après on sera bon. Et après on sera bon, je sais pas trop où est-ce que ça va nous mener, mais voilà. C'est, et en esquille d'arbre, on est plutôt pas mal, hein. Je veux dire, on est niveau 17, les gars. Waouh. Ah, ça va être trop bien. Donc ouais, il me reste plus que ça. Je sais pas où est la fin du DLC, j'en ai aucune idée. Très, très bizarre, mais... Parce que, je sais pas, la fin, ça me paraît bizarre que ce soit là, mais... On verra bien. Peut-être qu'il y a une nouvelle zone, genre... Bah non, on a tout exploré. Ouais, je sais pas. On va revenir sur le début, je sais pas. Nous verrons bien. Niveau 17, c'est le niveau où j'ai fini le DLC. Ah bah t'as récupéré quand même pas mal de morceaux. Hein. Nous verrons bien en tout cas. Eh bien écoutez, donc cette petite rustine. J'espère en tout cas YouTube que tout cela vous aura bien plu. N'hésitez pas à le dire dans la section des commentaires. À me suivre sur twitch.tv/ravencross. Ça bug pas toujours. Ah là là. Dans tous les cas, merci de suivre toutes ces aventures. Merci à vous le chat, bien sûr. Hein, toujours là, toujours bienveillant. On se dit samedi soir, 21h15, comme d'hab. Et puis de toute façon, sinon, il y a le mercredi à 18h15. Allez, bye bye. Bye bye YouTube. Bye bye. And don't forget to taste the booyah. Oh, on en aura fait des boss dans cette session. Hein. Gaius, Métir, et donc, il y a eu du gros boss. Hein.